Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en ce dernier jour du mois de décembre 2023 pour le dernier jour de l'ouverture du calendrier de l'Avent de l'après, donc avec Scrap Didi. Dernière petite pochette de l'année, voilà le 31 décembre. Donc on va procéder à l'ouverture ensemble de cette dernière petite pochette. Donc c'est avec grand plaisir que je vous ai partagé tout ça tout au long de ce mois de décembre. Finalement, on aura été du 1er au 31 décembre un petit peu ensemble. Ça m'a beaucoup plu. En tout cas, c'est sûr que c'est toujours agréable d'ouvrir des petits cadeaux. Voilà. Et donc j'ouvre la petite étiquette. J'espère que vous préparez bien votre petit réveillon. En tout cas, pour nous ici, c'est tout tranquille, tout calme. Donc on fait très attention parce qu'ici sur le bassin d'Arcachon, les huîtres sont interdites à la consommation. Donc nous, nous avons acheté des huîtres, mais pas de Arcachon du coup. Et puis, eh bien, en même temps, je viens de découvrir ce que c'est que ce petit cadeau. Alors, est-ce que c'est la bonne pochette que j'ai ouverte? Oui, 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 oui. Et c'est donc le chemin des créations. J'ai été perturbée du coup dans mon élan avec mon histoire d'huîtres. Du coup, il a acheté d'autres huîtres de la région. On avait acheté hier déjà. Et voilà, donc on a commencé à les déguster. Elles sont délicieuses. Voilà, pour tout vous dire. Et voici ce que je découvre. Donc, c'est sur l'atelier. Alors c'est le chemin des créations. Donc, c'est palette fleurie. J'adore. C'est trop, trop beau. Oh, franchement, c'est super joli. Un peu en forme de soleil et tout, mais c'est super joli. Ouais, franchement, trop, trop, trop joli. Qu'est-ce que vous en dites? C'est chouette. C'est beau. Oh là là, c'est un tampon de 5 cm. Regardez-moi ça. De 5 cm d'envergure. Super joli. Franchement, trop sympa. On voit bien ici toutes les petites plumes des pinceaux, les petits poils des pinceaux et qui font comme un soleil. C'est trop, trop beau. Ah, j'ai hâte de l'utiliser. Ah, franchement, j'ai adoré tous ces petits cadeaux. C'était très, très sympa. Merci beaucoup, Scrabity, pour toutes ces jolies créations. Et donc, en fait, ben, je ne regrette absolument pas d'avoir prolongé ce plaisir. Et ben, j'espère que je vous aurai fait partager un petit peu de mes choses. En tout cas, moi, j'étais très contente de passer ce petit moment supplémentaire avec vous. Et donc, je suis en train de faire... j'ai pas eu le temps aujourd'hui, j'ai pas eu trop de temps, parce que j'ai fait d'autres choses aussi. J'ai eu des coups de fil, enfin bref. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai pas pu faire tout plein de créations. Mais j'avais commencé à faire un petit tag. J'ai commencé à faire celui du 26. Je vais vous le montrer. Hein, je vais vous le montrer. Donc ça, c'est le 27. Ou le 26. J'ai plusieurs choses devant moi. Il est là, le 27. Donc, j'ai pris des petits tags, vous savez, là, qu'on avait de chez Action. Des petits tags comme ça, tout près. Voilà, avec les trois couleurs. J'aime beaucoup travailler sur ces petites choses-là. C'est très sympa. Et donc, voici mon petit tag du 26. Voilà, donc j'ai décidé de prolonger mon mini December Daily, mon petit December Daily, avec donc ces petites créations. Je me suis dit que j'allais faire des petits tags. Et puis, ben voilà, c'est une super idée. Donc, j'ai commencé à tamponner les petits tampons. Donc, le 26, on avait eu des petits tampons. Donc, ceci, je vais vous montrer. Alors, il faut juste que je récupère ma petite carte nette qui est dans le coin. Voilà. Bon, c'est pas grave, je ne retrouve pas ma petite cartonnette où j'ai tamponné dessus. En tout cas, j'ai donc tamponné sur des petits morceaux de carton. Donc, les petits... C'était le tampon comme ceci, je vais vous le montrer. Alors, c'était celui avec les petits mots. Elle est là, ma cartonnette, en fait. Voilà, elle est là. Donc, j'avais pris... c'était des rubans qu'il y avait derrière. Du coup, j'ai tamponné dessus, voilà. Et ça tamponne super bien. Donc, c'est un petit peu épais et un petit peu glacé. C'est très sympa. Donc, j'ai tamponné, je crois, en rouge. Voilà. Donc, c'était ces petits mots-là. Voilà. C'était ces petits mots-là qu'on avait eu, donc, le 26. Donc, j'ai commencé à faire ça et j'ai découpé des petites étiquettes.
Et je suis venue prendre l'appareil photo que j'avais eu chez Scrap Didi, le petit cadre. J'ai mis un. Bon, c'était un petit paysage de Noël, c'était mon calendrier Custo Déco d'ailleurs. Et puis, ben voilà, je suis venue mettre des petites pancartes avec donc ces petits mots que donc on avait eu le 26. Voilà les petits mots qui sont là. Voilà, comme ça, vous les voyez un petit peu plus gros. Et donc mon petit tag. Voilà, il demande à être un petit peu peaufiné, mais je trouve qu'il est déjà pas mal sympa comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai fait avec des découpes que j'avais déjà fait. Et puis je suis venue coller tout ça. Voilà, donc après on peut toujours agrémenter un peu plus, hein, mais des fois, voilà, il suffit de laisser, il faut savoir où commencer et surtout dire stop quand on a terminé. Voilà, donc j'ai préparé déjà le numéro 27. Le numéro 27, c'était les petits mots là sur les planches en carton. Donc ça, je vais voir pour peut-être les photocopier et les diminuer. Voilà, pour travailler dessus. Comme ça, je ferai les tags. Et puis, je viendrai faire sur chaque jour les tags. Puis, je viendrai vous montrer ça dans les prochains jours. Voilà, histoire de vous refaire un petit coucou pour le début de l'année prochaine. Voilà. Donc du coup, je mettrai les tags dans mon December Daily. Puis, je viendrai vous montrer tout ça dans quelques jours. Voilà. Donc, eh bien, écoutez. Sur ce, eh bien moi je vais vous souhaiter de passer une très très bonne soirée, donc en ce soir du 31 décembre 2023. Donc profitez bien des dernières heures 2023. Moi ça me fait pas grand-chose de particulier si ce n'est qu'on passe une année supplémentaire. Et voilà, après vivement que ces fêtes soient terminées, voilà, parce que pour moi c'était pas, voilà, on a fêté comme ça, mais voilà, c'était pas forcément le grand festin. Et même si on mange un petit peu mieux que d'habitude, hein, on se fait plaisir quand même. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait forcément la fête de la joie. Hein, voilà. Donc après, moi, j'essaye de trouver chaque jour des petites choses qui me font du bien. Voilà, pour pas sombrer non plus dans la mélancolie, dans la nostalgie, dans tout ça. Hein, faut pas faire ça. Donc on essaye de, comme dit une de mes copines, fais-toi une bulle autour de toi avec. Pour éviter de sombrer justement mentalement dans ces choses-là. Et c'est vrai, il faut pas sombrer dans la dépression ni dans la tristesse. Enfin, il faut essayer en tout cas. Et puis voilà, donc du coup, j'étais contente de partager vraiment tout ce mois de décembre avec vous. Et puis ben, je vais vous souhaiter un très 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 bon réveillon pour ceux qui font la fête. Ceux qui font moins la fête comme moi, et ben quand même passez une très bonne soirée, même si vous êtes seul. C'est pas facile, je le conçois. J'ai déjà connu ça dans mon passé. C'était même des fois à pleurer, hein, pour vous dire des choses. Parfois on pleure. Et ben voilà, des fois on pleure un bon coup, puis ça va mieux après. Voilà, donc du coup, il faut avancer. De toute façon, il faut avancer, on n'a pas le choix. Donc, faut continuer la vie, il faut continuer la route. Voilà, il faut se donner du bonheur quand on peut. Trouver du bonheur là où il peut se trouver, des fois, dans les tout petits bonheurs de l'existence. Ne serait-ce que vivre, déjà vivre. D'être, avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger, d'être au chaud, enfin tout ça, ce sont des petits bonheurs tout simples de la vie, mais voilà, déjà on n'est pas dehors. Quand je pense à tous ces gens dehors, la misère humaine, ça m'effraie, ça m'effraie beaucoup tout ça. Mais bon, je ne sais pas forcément comment résoudre tous ces problèmes, hein. Je ne prétends pas avoir une baguette magique, mais voilà, essayer d'adoucir un petit peu toute la misère de ce monde. Et puis, oser dire les choses, en tout cas, et puis de trouver chacun en soi et autour de soi des petites choses qui vous adouciront votre quotidien. Voilà, en tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. C'est vraiment, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, mangez quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de manger. Voilà, c'est tout ça qui peut être des petits bonheurs aussi. Et puis, voilà, on mange pas toujours des choses, voilà, on mange pour survivre, hein, souvent, mais après, moi j'ai changé beaucoup mon rapport à la nourriture, je suis plus du tout comme avant, mais voilà, après c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Donc en tout cas, merci de m'avoir suivi durant toute cette année. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de tous vos envois, tout ce que vous m'avez offert depuis 2 ans, votre amitié, vos mots, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, enfin tout ça me fait super plaisir. Et je me suis dit que voilà, ça valait le coup encore de continuer cette aventure. En tout cas, pour l'instant, j'ai encore cette envie-là. J'espère que ça va durer longtemps. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, j'ai encore cette envie. Donc, on va continuer ensemble, si vous le souhaitez.
Et puis bah après, c'est à vous de décider hein, si vous voulez continuer ou pas. Et puis en tout cas, moi je serais ravie d'être à vos côtés et puis de pouvoir continuer à scraper, à trouver des nouvelles choses. Et puis voilà, acheter aussi, voilà, j'aime bien acheter. Et puis, ben, toutes ces choses-là, voilà, donc avoir des petits, voyez, ben, des fois, les petits bonheurs sont dans le matériel, hein, même si ça ne fait pas tout, mais ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et puis voilà, donc après, on va faire plus de création, on va essayer un petit peu, et puis de servir un petit peu de tout ce que j'ai, voilà, de ressortir un peu des choses qui ont été rangées plus lointainement. On va dire ça comme ça. Et voilà, et j'espère arriver au bout de ma scrap room. Hein. C'est très 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 lent, très 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 long. Mais voilà, je ne suis pas beaucoup aidée ces derniers temps. Donc on fait ce qu'on peut avec le monde que j'ai autour de moi. Et puis ben voilà. Donc c'est sûr que s'il y avait plein de scrappeuses autour de moi, on se réunirait tous. Et puis ben, on viendrait ranger vite fait. Ça serait vraiment très très rapide. Parce que ben, c'est vrai que physiquement, ça me demande une énergie énorme. Et c'est ça qui prend énormément de temps, qui fait que parfois je sombre un peu dans la tristesse parce que je n'arrive pas à refaire surface sur certaines choses. Et puis voilà, essayer de ranger, de vendre tout ce qui ne sert plus. Et puis, bah, c'est pas facile, tout ça sont des étapes dans la vie. Et puis, j'ai beaucoup réussi déjà dans mon cheminement. Mais voilà. Donc voilà, si c'est un petit objectif que je peux me donner en 2024, eh bien, c'est de changer un peu tout ça et puis d'avoir plus de qualité pour justement créer et puis essayer de vous partager un peu plus des choses que je fais plus dans l'ombre. Voilà. D'oser vous montrer aussi. Et puis parfois on peut avoir un regard sur soi-même qui n'est pas toujours comment dirais-je ben, bienveillant hein, tout le temps hein. C'est voilà, il faut se faire plaisir aussi, il faut se faire du bien. Voilà, qui vous que mieux pouvez-vous donner des des choses de bien? On dit qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et ben je crois que ça prend tout son sens. Voilà, ben écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je voulais vraiment vous souhaiter une très très belle fin d'année. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur du monde aussi. Petit clin d'œil. Voilà, j'espère que vraiment vous allez passer une bonne soirée. En tout cas, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Soyez heureux et puis essayez en tout cas de l'être, de trouver des choses en vous. Vous seuls peuvent être la ressource en vous-même. Et ça, je l'ai bien compris tout au long de ma vie, en fait. Et vraiment, voilà, c'est des petits constats qu'on fait comme ça de temps en temps. Mais voilà, les épreuves de la vie m'ont beaucoup appris et je pense que c'est pour ça que j'arrive à raisonner comme ça. On ne peut pas tous raisonner comme ça parce qu'on n'a pas tous passé par des étapes non plus. Enfin voilà, après, on a chacun son cheminement perso avec plus ou moins. Sa croix à traîner et puis voilà. Donc voilà. Eh bien écoutez, je ne suis pas venue là pour vous plomber le moral, du tout, du tout, du tout, du tout. Et donc en tout cas, voilà, mais c'est vrai que parfois on fait un triste constat sur l'année écoulée et puis on souhaite que l'année suivante ben, soit meilleure. En tout cas, moi je vous le souhaite du fond du cœur. Je vous aime fort. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, d'être là et puis... De toute l'amitié de ce que certaines personnes peuvent m'apporter en privé. Vraiment, merci du fond du cœur. C'est vraiment gentil de votre part de prendre du temps pour moi de temps en temps et puis de partager comme ça des petits moments sympathiques, des petits messages, des petits mails, des petites choses comme ça. Vous voyez, moi, je retire du bonheur aussi dans ces choses-là. Et en tout cas, merci infiniment du fond du cœur. Je vous le redis encore aujourd'hui et je vous dis à très très bientôt et donc à l'année prochaine et bonne année, meilleurs vœux, bonne santé surtout, bonne santé et puis à demain ou à très très bientôt, à très très vite en tout cas. Merci beaucoup 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 beaucoup. Voilà. C'est pas comme ça qu'on fait le cœur, hein. C'est comme ça. Voilà. Voilà, je vous donne mon cœur. Bye bye.